Bonjour donc à tous. Je me présente, je m'appelle Katerina Dvořáková. Je viens du département de l'agroman de l'Université d'économie de Prague et j'ai l'honneur de participer aujourd'hui à cette deuxième journée internationale des professeurs de français avec la thématique Nouveaux liens et nouvelles pratiques, projet pour demain. Et une dimension éducative, cette journée portant la devise Ouvrons l'éducation. J'ai donc choisi de vous parler donc d'une expérience didactique d'ouverture, d'élargissement d'horizon au-delà des murs universitaires, celle que j'ai vécue avec deux de mes étudiantes en relations internationales en République centrafricaine l'année dernière, comme formatrice du programme Apprendre en jouant d'une petite ONG tchèque, Sereri. Mais d'abord, la présentation de notre département de l'Angroman, c'est l'un des plus grands départements universitaires d'enseignement de l'Angroman en République tchèque, en dehors des départements philologiques de langue et littérature romane. Donc, nous sommes spécialisés dans l'enseignement de l'Angroman à objectifs spécifiques, donc français pour les étudiants en commerce international, en diplomatie et études internationales, en tourisme, mais pas que, hein, nous offrons aussi des cours de FLE. Nous enseignons quatre langues romanes, français, espagnol, italien, portugais, comme vous pouvez le voir. Quant au nombre d'étudiants, nous enregistrons une diminution significative du nombre d'étudiants en général et de français par rapport à l'espagnol, avec 1300 étudiants français, tous niveaux et spécialisations confondus, contre 1600 étudiants en espagnol durant l'année académique passée. Mais c'est quand même un bon nombre d'étudiants formés durant une année académique. Pour ce qui est le type de cours enseignés que nous offrons, je voudrais surtout souligner la préparation aux examens DFP de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France en troisième année de licence dans trois domaines professionnels, celui des relations internationales, du tourisme et des affaires, et en master pour le niveau C1 en affaires. Nous coopérons très étroitement avec le Centre d'examen officiel pour la République tchèque, l'Institut français de Prague. Voilà. Parmi nos publications, je voudrais souligner le manuel Communication efficace en français professionnel qui vient tout juste de paraître et que nous utilisons précisément dans nos cours préparatoires de la troisième année de licence, mais aussi dans nos cours de master centrés sur les stratégies communicatives dans la négociation commerciale et plus largement professionnelle. Quant à la coopération internationale et celle avec des partenaires externes en général, je tiens à rappeler ici l'organisation du Forum Héraclès. Nous avons eu l'honneur d'accueillir la 10e édition de ce forum international. C'est un forum scientifique et professionnel rassemblant les enseignants formateurs des centres universitaires spécialisés en FLE et en FOS et autres groupements professionnels autour du thème de la francophonie universitaire et employabilité, donc le thème qui nous est cher en tant que en tant qu'université d'économie et département spécialisé dans l'enseignement de français à objectifs spécifiques et professionnels. Par ailleurs, nous tenons en tant qu'université économique à fournir aux étudiants un enseignement le plus relié possible au monde professionnel, au marché du travail. Donc, nous organisons des interventions régulières des experts dans nos cours, donc des représentants d'entreprises, experts des ambassades ou ambassadeurs eux-mêmes, représentants des chambres de commerce, de la représentation permanente de la Commission européenne, etc., etc. Dans le cadre de notre cycle de conférences, centré surtout sur nos étudiants en relations internationales, nous avons pu accueillir entre autres cinq ambassadeurs francophones pour une table ronde autour du sujet épineux et toujours d'actualité, celui de la migration. Et l'année dernière, et en relation avec le sujet de mon exposé d'aujourd'hui, nous avons accueilli le père Aurelio Gazzera, un missionnaire carme italien qui vit en République centrafricaine depuis une trentaine d'années. L'ordre des carmes des Chaux italiens lui-même est actif en RCA depuis les années 70. C'était donc une belle occasion pour nos étudiants de connaître l'actualité politique et économique en République centrafricaine et une occasion rare pour les étudiants d'écouter quelqu'un qui connaît vraiment la réalité du terrain centrafricain d'aussi près et qui est très impliqué dans les projets de développement économique et sociétal en dehors de sa fonction du prêtre.
Donc une belle conférence en français pour nos étudiants francophones en relations internationales. Avant de parler du programme Apprendre en jouant RCA, je vais vous faire une présentation sommaire du pays quand même. Avant tout, il s'agit d'un pays de l'Afrique subsaharienne d'extrême pauvreté, un pays d'une superficie supérieure à celle de la France et la Belgique réunies, où 71% de la population de presque 5 millions d'habitants vit sous le seuil de la pauvreté, données de la Banque mondiale de 2018. Hein, je vois, excusez-moi, sur ma présentation que j'ai mis 6 millions d'habitants, que les chiffres, les derniers chiffres que j'ai, c'est 5 millions, alors excusez-moi pour l'erreur. Il faut quand même souligner que le pays détient la 188e position sur 189 selon l'indice de développement humain devant Niger en 2018. Donc, ça veut dire qu'il s'agit vraiment d'un pays d'extrême pauvreté. Alors, il y a plusieurs facteurs expliquant ce phénomène. Plusieurs dizaines d'années d'une gouvernance défaillante du pays. Hein. Le pays est passé par de nombreux coups d'État militaires, conflits, voire plusieurs années sous le régime de l'empire autoproclamé de Jean Bedel Bokassa. Donc, d'ailleurs, jusqu'à présent, suscite une certaine nostalgie dans la population. Depuis que cette ancienne colonie française d'Ubangi-Chari a gagné son indépendance en 1960, jusqu'à présent, le pays reste malheureusement politiquement instable. En effet, en 2012, un conflit a été déclenché entre le mouvement musulman Seleka, dont nombreux adhérents ont été recrutés au Tchad et au Soudan du Sud, et les forces du gouvernement. Puis, en guise de défense contre la Seleka, les milices populaires anti-Balaka se sont formées, qui ont brutalement attaqué la Seleka, mais aussi la population musulmane civile, qui a été obligée de quitter le pays, et qui aujourd'hui est, au fur et à mesure, progressivement de retour dans le pays. De nombreuses trêves ont été signées, la dernière en date en février de l'année dernière, si je ne me trompe pas, mais jusqu'à 85% du territoire reste occupé quand même par les groupes rebelles qui attaquent la population civile et qui violent des droits humains, alors que le gouvernement contrôle la capitale de Bangui et les régions de l'ouest du pays. Le conflit est présenté souvent comme religieux, pour simplifier, mais le pays est riche en ressources naturelles, comme ses voisins, riche en or, en bois, en diamant, qui attire beaucoup non seulement les groupes rebelles hein, qui souhaitent gagner le contrôle des ressources naturelles, mais font également l'objet de convoitises de la Chine et de la Russie. Paradoxalement, il s'agit d'un pays donc très riche, dont la population ne peut pas bénéficier de cette richesse faute de bonne gouvernance et elle est dépendante de l'aide humanitaire. Donc, il y a les alliances stratégiques qui se créent avec la Russie et la Chine, qui ne cessent d'accroître leur influence au pays. La Russie exporte les armes en République centrafricaine et entraîne l'armée de l'État, exploite les diamants. La Chine, elle est attirée par l'or, par exemple la ville de Bozoum, où nous étions partis pour former les enseignants locaux. Plusieurs groupes d'exploitation chinois ont illégalement exploité de l'or, avec des dégâts immenses pour le paysage, pour l'eau souterraine et évidemment de la pollution des eaux, entraînant des problèmes de santé de la population locale. Je souligne ici qu'il s'agit vraiment d'un des pays les plus pauvres au monde, avec un PIB de 475 dollars par habitant. La durée de vie moyenne dans ce pays atteint 53 ans. Parmi les activités économiques principales, on peut compter l'agriculture de subsistance, c'est toujours le cas de l'agriculture, et l'extraction de bois, diamants, minerais dont j'ai parlé. Voici une petite photo d'un village typique le long de la piste, lorsque vous vous éloignez de la capitale Bangui et que vous allez un peu dans la brousse. Ce qui est important pour le programme et pour le sujet de mon exposé aujourd'hui, c'est que le taux d'alphabétisation au pays atteint 36,8% de la population de plus de 15 ans. Donc c'est vraiment un taux alarmant. Les secteurs de l'éducation et de la santé sont dans un état vraiment déplorable, autant pour le bâtiment comme pour le fonctionnement. Selon une enquête de l'UNICEF de 2010, le système éducatif se caractérise notamment par l'absence d'enseignants qualifiés. 40% des enseignants sont des maîtres parents sans formation spécifique ni qualification.
Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que le ratio d'élèves par salle de classe est de 87, mais peut facilement atteindre jusqu'à 200 élèves par classe dans certaines écoles de la Brousse, comme les enseignants locaux nous en ont parlé. Sans parler du manque du matériel scolaire, hein, manuel, outils didactiques, équipement des classes. Par ailleurs, 30% des enfants de 6 à 11 ans n'ont pas d'accès à l'école. Hein. Le taux d'achèvement du cycle primaire était de presque 40%, mais seulement 40% en 2010. Et le taux d'inscription au secondaire était seulement de 21%. Hein. Donc la plupart des enfants vraiment terminent à l'école primaire. De plus, le secteur éducatif en RCA présente des taux de redoublement qui est parmi les plus élevés du monde, à savoir en moyenne près de 23% dans le premier cycle de l'enseignement fondamental et plus de 17% dans le second cycle du fondamental et au secondaire selon l'enquête PASEC de 2007. Hein. Et donc c'est dans ce contexte que l'ONG tchèque Serery s'est décidée d'agir en 2015 avec son programme Apprendre en jouant, du moins au niveau local, dans deux préfectures à l'ouest du pays pour améliorer la qualité de l'enseignement primaire et contribuer un petit peu à réduire le taux d'analphabétisme. Les représentants de Sierry se sont rendus compte que la question ne touchait pas uniquement une mauvaise qualité de l'enseignement, mais que c'était aussi une question linguistique. En effet, la langue la plus importante en tant que langue maternelle ou véhiculaire pour la majorité de la population du pays, c'est le sango, hein, même si les deux langues officielles, c'est le français et le sango. Elle est érigée, enfin, le sango est érigé à côté du français comme langue officielle seulement en 91, après avoir passé par plusieurs statuts, comme vous le voyez à droite, celui de langue véhiculaire après l'indépendance, langue nationale en 64 et deuxième langue d'enseignement en 84. Bon, ce petit historique à droite pour vous montrer aussi le difficile chemin du sango en tant que langue d'enseignement, avec surtout le projet pionnier des écoles de promotion collective, lancé depuis 73 jusqu'à 1980, où le sango était expérimentalement introduit dans les programmes de ces écoles par le biais des disciplines comme la lecture, l'écriture, le calcul et le langage, et cela durant les deux premières années du cursus scolaire, donc le cours d'initiation, CI, et le CP, le cours préparatoire. Donc, en fait, une sorte de programme Apprendre en jouant, il y a plus de 40 ans déjà. Et les résultats très encourageants de ce programme ont entraîné la création, mais seulement en 1996, de la commission nationale chargée du plan d'introduction du Sango dans l'enseignement. Mais malheureusement, ce processus n'a pu être mené jusqu'au bout pour des raisons matérielles et financières. Et le Sango est donc resté une langue d'enseignement officiellement, mais en pratique, des cours se font en français depuis le début du cycle primaire, une langue que les élèves ne comprennent pas ou peu, hein. Or, il convient de souligner que dans son rapport mondial de suivi sur l'éducation de février 2016, l'UNESCO recommande que les enfants devraient recevoir une éducation dans une langue qu'ils comprennent, car, je cite, le fait de parler une langue qui n'est pas celle de la salle de classe est souvent pour effet, a souvent pour effet, et c'est logique, de freiner l'apprentissage des enfants, notamment lorsqu'ils sont pauvres. L'UNESCO recommande donc au moins 6 années d'enseignement dans la langue maternelle ou la langue parlée à la maison, qui serait nécessaire aux locuteurs des langues minoritaires pour réduire les inégalités d'apprentissage. Les politiques éducatives devraient donc reconnaître l'importance de l'apprentissage en langue maternelle, y penser lors de l'élaboration du programme scolaire et la mise à disposition des matériels pédagogiques culturellement adaptés. Donc, logiquement, l'enfant qui aura appris à lire, écrire, compter dans sa langue maternelle pourra passer sans problème plus tard au français ou à une deuxième langue, et acquérir les connaissances dans cette deuxième langue beaucoup plus rapidement que si l'apprentissage des compétences de base telles que lecture et écriture se faisait dans une langue qu'il ne connaît pas. Sans parler des bénéfices au-delà des compétences cognitives, le renforcement de la confiance et en soi et l'estime de soi, de la motivation pour continuer à apprendre et pour une participation active dans la classe. Hein. Le rapport de l'UNESCO mentionne aussi qu'en Afrique subsaharienne, au moment des indépendances, seuls 20 pays sur 47 utilisaient les langues locales dans l'enseignement primaire. Et grâce à la mobilisation des acteurs locaux, ils sont aujourd'hui 38 à le faire. Un exemple réussi aussi, en 2014, ont eu lieu des évaluations internationales du PASEC, qui est le programme d'analyse des systèmes éducatifs soutenu par la Banque mondiale,
auxquels 10 pays francophones d'Afrique de l'Ouest ont participé, mais pas la République centrafricaine, malheureusement. Et l'évaluation a permis de mesurer le niveau de compétence des élèves en début de la deuxième année et de la cinquième année scolaire en langue d'enseignement et en mathématiques. Et l'évaluation a révélé que la grande majorité des élèves, malheureusement, ne disposent pas des compétences attendues dans le cycle primaire. À part Burundi, hein, car au Burundi, qui s'en est sorti le mieux et où la langue de test et de scolarisation correspond à une langue qui est familière aux élèves, près de 8 élèves sur 10 atteignent le seuil suffisant en langue, donc en lecture, écriture, en kirundi, en début de la deuxième année. Et plus de 9 élèves sur 10 atteignent ce seuil en mathématiques, donc sans surprise, hein, j'allais dire. Je reviens donc enfin vers Siriri, donc l'ONG tchèque active en République centrafricaine depuis 14 ans. Elle a été fondée en 2006 par les époux Böhm, Lida et Karol Böhm, en coopération avec les représentants de l'ordre des Carmes des Chaux tchèques et italiens, qui sont actifs en RCA depuis les années 70 du XXe siècle, comme je vous le disais. Siriri veut dire la paix en sango. Depuis sa création, Siriri mène des projets divers au pays dans le domaine de la santé, avec l'équipement technique de l'hôpital de Bozoum, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, avec la plantation d'arbres fruitiers, palmiers, l'élevage des vaches, etc., la réhabilitation de forêts, et surtout de l'éducation, avec le programme phare Apprendre en jouant, mais aussi avec l'ouverture d'une école des mécaniciens, l'une des deux écoles actives dans le pays aujourd'hui. Avec la construction des écoles, avec le centre de formation pour femmes à Bouzoum, etc. Le programme Apprendre en jouant est donc un programme phare de Siriri qui est inspiré par les travaux de Comenius, Jan Amos Komenský, hein, le célèbre pédagogue et didacticien tchèque du XVIIe siècle. Il est basé sur deux volets, sur une méthode pédagogique moderne pour que les enfants apprennent avec plaisir et par le jeu et qu'ils soient acteurs de leur apprentissage, et en s'appuyant sur cinq principes pédagogiques modernes qui devraient être accentués dans l'enseignement, surtout dans les premières années de l'école élémentaire. Ces cinq principes pédagogiques, je vous les présente de manière très sommaire. Donc, c'est le caractère démonstratif du cours, hein. Les enfants doivent savoir imaginer tout ce qu'ils apprennent. Il s'avère très important d'utiliser donc des outils pratiques pour démontrer vraiment ce qu'on veut dire et pour montrer, pour que les enfants vraiment comprennent. L'aspect pratique, les enfants devraient apprendre les choses dont ils auront besoin plus tard dans leur vie. Donc, il s'agit de les préparer aux situations réelles, de leur apprendre et à observer leur environnement, à les faire parler de leurs propres expériences. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils font, donc l'aspect pratique de l'enseignement. Le principe de la coopération, pour moi, c'est le principe le plus important de tous les cinq, car on apprend mieux quand on ne travaille pas seul, hein. Il s'agit d'apprendre les enfants à travailler ensemble, à coopérer en groupe, aider les plus faibles, communiquer, interagir ensemble de manière à leur faire acquérir l'intelligence sociale. Le quatrième principe, c'est le principe du savoir réfléchir. Hein. Évidemment, aussi très important, car on apprend surtout pour savoir réfléchir. Hein. Les enfants doivent comprendre les sujets et ne pas les apprendre par cœur, doivent savoir appliquer les connaissances dans d'autres matières diverses, hein. Résoudre les problèmes de manière autonome et être créatif, hein, et pas, ne pas faire que mémoriser, hein, ce que dit le maître. Et enfin, le cinquième principe étant celui de l'évaluation, comment évaluer correctement et de manière positive l'élève pour le motiver et pas le punir, hein, c'est tout un sujet aussi, pour qu'il continue à s'améliorer et pour qu'il apprenne à s'auto-évaluer aussi, à trouver la bonne solution lui-même. En même temps, le programme accentue aussi donc l'importance de l'enseignement des bases, lire, écrire et compter en sango, donc pour justement assurer un meilleur passage au français par la suite, pour être conforme donc à ces recommandations d'UNESCO dont je viens de vous parler, et pour, comme je vous disais, donc assurer un meilleur passage au français par la suite à partir de la troisième année de l'élémentaire et avec une plus grande réussite scolaire, car l'apprentissage des bases, lecture et écriture, s'est fait dans une langue qu'ils comprennent. Hein?
On est loin des 6 années d'enseignement en Sango recommandé par UNESCO, mais au moins ce programme se base au moins sur les 2 premières années enseignées en Sango. Serreri a créé tout un matériel didactique pour accompagner l'enseignement en Sango. Donc, vous voyez ici syllabaire illustré et livre de lecture élaboré ensemble par des dessinateurs et formateurs tchèques et centrafricains, tout en Sango. L'alphabet vivant, abécédaire vivant réalisé par Didier Kassai, qui est un célèbre dessinateur centrafricain et qui a coopéré avec Serreri sur ce projet. Des jeux de lettres et de chiffres. Génial dans lecture et les mathématiques, et surtout de très belles fresques didactiques dessinées d'abord par les dessinateurs tchèques et puis centrafricains. Les fresques développent la connaissance de la langue, mais aussi du monde aux alentours et peuvent être exploitées non seulement dans les 2 premières années de l'école élémentaire, mais aussi dans les matières diverses telles que géographie, histoire, éducation civique, mathématiques. Plus tard. Hein. Elles ont fait leur preuve en tant qu'outil pédagogique alternatif et efficace, permettant par ailleurs de répondre au manque de manuels et autres matériels didactiques. Et puis, à part ces outils que les participants reçoivent à la fin des formations, ils sont encouragés à utiliser des objets de leur vie quotidienne qui ne coûtent rien, par exemple des bâtons, des cailloux, des bouchons, des feuilles, en faisant aussi appel à la créativité des enfants qui peuvent apporter eux-mêmes du matériel et l'exploiter dans la classe de mathématiques, de lecture pour former des lettres, etc. Voici encore le livre de lecture en Sango, publié aussi par Sureri. Voilà ça. Voici un récapitulatif des 5 saisons de formation d'été faites par Sureri en République centrafricaine. Donc en tout, il y a eu 458 enseignants formés jusqu'à présent durant les 5 années du programme, dont 114 femmes et 344 hommes. Les participants sont issus de 135 écoles confessionnelles, publiques, rurales comme urbaines. Depuis 2018, la formation se déroule dans 2 villes, celle de Bozoum, située dans la préfecture de Ouempendé, et Bouar, dans la préfecture d'Anamamberé, dans l'ouest du pays. Plus de 30 formateurs volontaires européens, tchèques ou français ont participé au programme, et ils ont été aidés par les co-formateurs africains. Ça, il faut le souligner vraiment, il gagne de plus en plus en autonomie. En 2019, la formation était déjà plutôt gérée par les co-formateurs centrafricains. Les Européens ont joué le rôle de guide, d'accompagnateur. Hein. Et les formations se sont déroulées le plus souvent en français durant la matinée, puis en Sango durant l'après-midi. Pour une mise en application de la formation, une grande place a été donnée justement aux enseignants qui ont pu échanger, travailler en groupe, etc. Et il y a eu une nouveauté l'année dernière, en 2019, Serreri a mis en place des groupes thématiques à côté de la formation traditionnelle, donc sur les 5 principes pédagogiques pour les débutants. Nous avions monté un groupe de formation en lecture et écriture, donc deux groupes et un groupe de formation en lecture et écriture, pardon, et 2 groupes de mathématiques qui ont suscité vraiment beaucoup d'intérêt. Donc parmi les thèmes accentués, il y avait la compréhension de la lecture, le travail avec le texte, pas seulement sa mémorisation. Et puis les mathématiques, un grand thème, c'était le travail avec les dizaines, qui continue toujours à être un grand thème. Il s'agit d'apprendre à travailler avec le boulier, à calculer en dizaines pour que les enfants ne soient plus obligés de faire les traits au tableau pour chaque unité, de céder des cailloux et de repartir depuis le zéro à chaque calcul comme ils le font. De manière plus générale, il s'agissait donc de l'apprentissage des bases de mathématiques sous forme ludique, en accentuant l'aspect démonstratif et aussi en exploitant aussi beaucoup les fresques didactiques dont je vous ai parlé. Bon, comme vous le savez, j'étais partie en RCA avec 2 de mes étudiantes de l'Université d'économie de Prague, donc de la République tchèque, les 2 étudiantes francophones en relations internationales. Et puisque dans cette journée internationale des professeurs de français, on parle donc aujourd'hui de l'ouverture de l'éducation et de l'élargissement de nos pratiques didactiques, je pense que le programme Apprendre en jouant était l'unique occasion pour elles de connaître la réalité du terrain encore d'une autre manière que par l'intermédiaire d'un stage classique dans les environnements plus formels, ambassades, organisations internationales, entreprises françaises ou francophones. Hein.
Et ce n'est pas seulement une expérience pour les étudiantes en relations internationales, mais aussi en tant qu'étudiantes de français, évidemment, à savoir comment la connaissance de français peut leur être utile directement sur le terrain, de nouveau en dehors de tout parcours professionnel plus classique dans les entreprises ou organisations internationales de nos diplômés. En effet, l'un des plus grands défis pour les deux filles, d'ailleurs, qui étudient elles-mêmes le français depuis plusieurs années, elles sont actuellement en quatrième année, donc en première année de master, c'était de se mettre devant la classe de 30 enseignants et de les enseigner elles-mêmes en français, bien sûr avec le soutien de leurs co-formateurs centrafricains qui ont mené le programme de l'après-midi en Sango. Par ailleurs, surtout Anishka, que vous voyez ici en haut à gauche, qui avait participé au programme déjà en 2018, a pu voir le progrès accompli par les enseignants et sentir leur motivation à continuer, à améliorer leur enseignement, même dans des conditions très difficiles auxquelles ils font face. Les deux, y compris moi et toute l'équipe de formateurs européens, nous avons ressenti beaucoup de respect vis-à-vis de nous. Le fait d'être de peau claire et d'être femme n'a joué, je dois dire, aucun rôle. Au contraire, parfois j'ai ressenti jusqu'à un respect innaturel, pas très salutaire vis-à-vis de tout ce que dit l'homme blanc européen. C'est pour cela que les filles, moi et le reste de l'équipe, nous avons beaucoup accentué l'autonomie de nos co-formateurs en se présentant comme guide, comme accompagnateur qui n'impose pas et aide à améliorer les pratiques de l'enseignement avec une grande place donnée aux enseignants eux-mêmes durant toute la formation. Beaucoup de progrès ont été accomplis, comme on a pu se rendre compte durant notre voyage d'évaluation en février de cette année, auquel j'ai pu participer comme responsable du conseil pédagogique de cette organisation. On a pu s'apercevoir que certaines mauvaises habitudes, comme tableau utilisé uniquement comme un support pour des textes permanents tout au long de l'année, ou répétition automatique après le prof, ou mémorisation des textes sans les comprendre, ou encore l'enseignement frontal long et peu motivant pour les élèves, tout ça, ça a disparu des classes, ou du moins, ces habitudes ne sont plus aussi répandues comme durant les premières années du programme. Par rapport à l'évaluation précédente effectuée par les représentants de CRRI en RCA en 2018, l'enseignement dans les écoles nous a paru plus animé, l'ambiance dans les classes était plus conviviale. Nous avons testé les enfants en lecture, écriture et en mathématiques, au mois de février, et nous avons enregistré des résultats très satisfaisants dans la partie langue du test, donc lecture, écriture, compréhension de l'oral. Au milieu, nous les avons testés en Sango, bien évidemment, et au milieu de l'année scolaire, en CP, donc en deuxième année de l'école élémentaire, il s'avère que 64% des enfants testés savaient lire une phrase en Sango, 53% même tout le texte, hein, 57% pouvaient écrire une phrase, donc contre des résultats très décourageants lors des premières années du programme, à savoir, ou selon le dire des cofondateurs du CRRI, 70% des élèves ne savaient pas lire encore en cinquième année de l'école élémentaire au début du programme, parce que les élèves ne passaient pas que par le français, hein, durant leur enseignement. Donc ces résultats sont vraiment probants, hein, prouvent l'efficacité du programme. Il y a beaucoup de défis, évidemment, à relever. Dans les mathématiques, les enfants ne savent pas. Il s'est vraiment avéré en février que les enfants ne savaient pas encore suffisamment bien travailler avec les dizaines. Donc, un peu la problématique que je vous décrivais tout à l'heure. Il faut dire que donc il y a une seule formation qui a été consacrée aux mathématiques qui a eu lieu pour l'instant, lieu l'année dernière. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'autres défis. Le chantier est immense. Hein. Autant dans la gestion des classes pléthoriques, parce que comme je vous disais, les classes atteignaient souvent 50 personnes, 50 élèves, et pouvaient aller jusqu'à 200 personnes, 200 élèves. Donc, quelles activités sont propices à faire travailler les enfants en équipe, maintenir leur attention et leur apprendre à travailler de manière autonome? Puis, bien sûr, il y a l'éternel problème de financement, mais il y a beaucoup d'espoir maintenant parce que il est vrai que la formation planifiée pour l'été 2020 a été supprimée en raison, bien sûr, de la pandémie Covid-19.
Mais tout est sur la bonne voie. L'ONG s'est réunie actuellement pour l'objectif de trouver un partenaire local expérimenté opérant en RCA dans le domaine de l'éducation pour lui céder le programme de manière à ce que puisse être mis en œuvre le plan sectoriel de l'éducation. Ce programme gouvernemental pour l'éducation valable pour la période 2020-2029 a été publié en mai 2020 et mentionne en effet expressément l'ONG tchèque Sérérie et le programme Apprendre en jouant pour mettre en place l'enseignement en Senghor. Donc le programme a connu une avancée majeure, hein, du petit programme local. Il a été hissé et reconnu au niveau national. L'enseignement en Senghor a été officiellement reconnu qu'on voit à suivre pour les années suivantes au niveau national. Et cette fois-ci, espérons-le, il y aura des avancées très concrètes, hein, avec une phase transitoire d'expérimentation de l'enseignement en Senghor dans les écoles choisies et dans la capitale, et avec l'appui de la Banque mondiale prête à soutenir les projets éducatifs reconnus officiellement par le gouvernement désormais. Donc voilà, c'est tout pour moi. Désolée d'avoir été un peu plus longue que prévu. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions sur le site du colloque ou par mail. Vous voyez mon contact à la fin de la présentation. Et merci beaucoup encore une fois d'avoir pu participer à ce colloque international en ligne organisé par l'Association des professeurs de français d'Israël, l'Inspection générale du français du ministère de l'Éducation israélien, l'Ambassade de France et l'Institut français d'Israël. Merci beaucoup de votre invitation et à vous de votre attention.